Le Collège de Montréal célèbre son 250e anniversaire. Premier établissement d'enseignement secondaire de la métropole, il a vu le jour quelques années à peine après la défaite des Plaines d'Abraham et 100 ans avant la Confédération du Canada. Au fil des générations, plusieurs illustres personnages de notre société ont défilé sur les bancs de cette institution. Mais le plus important, c'est que chaque élève, chaque ancien a sa propre histoire d'amour avec son Collège de Montréal. Je pense que le secondaire, c'est comme une étape très importante pour la formation d'une personne. Puis j'ai eu la chance d'être très bien formé au collège. Quand je pense au Collège de Montréal, la première chose qui me vient en tête, c'est les amis que j'ai encore aujourd'hui. Ouais. C'est tellement dit souvent dans les autoportraits des élèves que le collège est une grande famille et c'est ce qui fait sa caractéristique première. Si t'as 3 ou 4 bons profs dans toute ta vie, c'est énorme. Puis juste au collège, j'en ai eu plus que ça. Les gens sont très surpris de se faire rappeler qu'on a une école à Montréal qui a 250 ans. Le fait qu'on soit rendu à autant d'années d'enseignement pour les étudiants, ça montre comment, justement, le collège a su se baser sur son passé pour construire ce qui existe maintenant, comment il s'est modernisé. Il n'est pas resté dans le passé non plus, ça aurait pu être un piège. Mais c'était mon rêve de venir ici. Puis j'étais chanceux, j'ai eu la possibilité. Ça a été une si belle expérience au Collège de Montréal, c'est qu'il y a énormément de professeurs qui étaient vraiment dévoués à ce qu'on réussisse. Ces valeurs sont des valeurs de partage, des valeurs d'excellence. Ma passion pour l'écriture est née au collège, donc j'en suis très reconnaissant parce que toute ma vie maintenant est basée là-dessus. Après ma première année secondaire, dans la salle d'études, j'ai donné des prix aux gens pour des accomplissements dans l'année. Et moi, j'ai gagné le prix de sociabilité. Alors, c'était 5 $ dans une enveloppe. Et j'étais très content de rentrer à la maison pour montrer que j'ai gagné le prix de sociabilité à Collège de Montréal. C'est ça qui me revient le plus quand je pense au Collège de Montréal, cette espèce de camaraderie-là que j'ai pas retrouvée ailleurs, jamais, par la suite dans ma vie. Moi, j'étais un drôle d'élève. J'étais comme un tannant qui aimait ça s'asseoir en avant. Normalement, tous les tannants dans une classe vont s'asseoir en arrière puis parler entre eux. Moi, je m'assoyais en avant et les jokes que je faisais, je voulais faire rire le prof. Oui, ça reste qu'on est des élèves puis il y a les professeurs puis il y a le respect qui est là, mais ce qui était le fun, c'est qu'il se permettait d'avoir des relations comme ça avec les élèves puis faire des blagues parce que ça me donnait envie de retourner à l'école puis ça sortait un peu de toujours être dans l'étude puis la performance. J'ai vraiment été adoptée par la gang de gars, pour mon côté tomboy, puis mon côté fille en même temps. Alors, j'étais très content de faire partie d'une école qui a été construite par les fondateurs de notre ville. Le Collège de Montréal, c'est un endroit qui est un peu mythique parce que c'est comme une institution montréalaise, québécoise. C'est comme une histoire. Quand on regarde les institutions qui durent des siècles parce qu'elles évoluent, là. Donc, je souhaite qu'ils continuent à être aussi intelligents dans leur façon de changer leur programme, de trouver des professeurs qui vont stimuler les étudiants et de pas se donner des fausses prétentions. Continuer à être vrai comme il est. Un collège, c'est une des rares institutions ou un des rares souvenirs qui me rattachent à quelque chose de tangible. Et j'aime ça y revenir. Ça m'ancre. C'est une ancre. Si je pense à ça à l'âge de 48 ans, c'est assez surprenant qu'on peut avoir des institutions comme la Brasserie Molson, comme Collège de Montréal, comme le Canadien de Montréal qui continue à faire partie de notre tissu, notre fabrique à Montréal. Et pour les 250 années à venir, je souhaite beaucoup de plaisir aux futurs élèves et de beaux apprentissages. J'essaie de transmettre ces valeurs-là à mes élèves pour qu'ils sortent d'ici, grandis, mais sur tous les plans. Comme disait Montaigne, une tête bien faite et non pas bien pleine. Ce qu'on souhaite au collège, c'est l'épanouissement des élèves. Je pense que c'est ça qui est important, c'est ce savoir-là qu'on transmet de génération en génération par le collège. Donc, c'est de continuer à le faire aussi bien, puis d'avoir des finissants toujours aussi allumés puis qui, après, font en sorte que la société soit encore plus belle.